Ce jeudi saint est la fête de l'institution de l'Eucharistie par le Seigneur Jésus. Jésus institue à la fois la messe et les prêtres pour célébrer cette messe. Certes, Jésus ne construit pas la liturgie de la messe. C'est la tradition qui développera cette liturgie, sans d'ailleurs tout inventer, car elle est profondément enracinée dans la liturgie juive. Mais Jésus place la messe au cours d'un repas. C'est la célèbre scène tant de fois représentée par les artistes, et ce n'est pas un hasard. La scène est une peinture de la vie. Ce qui est le plus quotidien parmi les hommes, le repas, ce qui est le plus fraternel, partager le repas. Cette manière chrétienne de manger influencera un style de vie. La journée d'un chrétien est cadencée par des repas, et souvent des repas pris à plusieurs, en famille, entre amis, dans une communauté religieuse. Se rassembler ainsi n'est pas le cas de toutes les cultures. Ce n'est plus le cas, hélas, de la vie moderne qui grignote toute la journée et disperse les convives à cause d'emplois du temps surchargés ou par simple individualisme. Mais la scène n'est pas n'importe quel repas. C'est une sorte de repas sacré, saint, sanctifié de deux manières. Par la présence unique du Seigneur, même si tout repas est accompagné de bénédictions et d'actions de grâce, et par la mémoire du sacrifice du Christ. L'Eucharistie est un sacrifice. L'Eucharistie est la mémoire du sacrifice du Christ. C'est le saint sacrifice de la messe. C'est un rite comme en connaissent de nombreuses religions. En effet, le rôle du rite est de faire mémoire et de rendre présente une action divine marquante. Ainsi, cette action rituelle touche tout le monde et à tout moment de l'histoire. Dans la plupart des religions, le rite est une mémoire sous une forme symbolique et avec un effet variable et subjectif chez les participants. Ce n'est pas encore un sacrement chrétien. Dans le sacrement chrétien, le signe existe, mais il est accompagné d'une action unique de Dieu qui communique sa grâce. Dans le sacrement chrétien, j'ai la certitude que Dieu donne la grâce. Cela ne dépend pas de mon état subjectif. Certes, selon ma vie spirituelle, je recevrai cette grâce avec plus ou moins de fruits. L'Eucharistie est le sacrement par excellence, le saint sacrement, car elle rend présent le geste divin du plus grand amour, le sacrifice du Christ sur la croix. Certes, le sacrifice de Jésus sur la croix est un événement historique passé qui a eu lieu une seule fois. Nous ne sommes pas dans la science-fiction qui nous ferait circuler dans l'histoire à travers les portes du temps. Ce sommet de l'amour de Dieu redevient présent dans chaque célébration par l'influx de la grâce créée le jour de la crucifixion. La profonde raison et la possibilité de cette permanence, c'est que celui qui s'est sacrifié était le Verbe incarné, donc à la fois homme dans l'histoire et Dieu au-delà de l'histoire. En tant que Dieu, il peut étendre à toute personne, à tout moment de l'histoire, ce plus grand amour de la croix. À chaque messe, on ne crucifie pas à nouveau le Christ, car son sacrifice unique a été parfait et il contient assez d'amour
pour se répandre dans toute l'histoire de l'humanité. À chaque messe, on rend actuel ce plus grand amour de la croix par la grâce donnée et par la présence même du Christ crucifié. Ce sacrifice, il est à la fois passif et actif, surtout actif. L'amour, la liberté de l'amour du Christ, de son obéissance au Père, de l'accomplissement de l'Écriture. Ainsi, on parle du corps du Christ et du sang du Christ, bien distingués sur l'autel, bien séparés pour exprimer le sacrifice du sang versé. À la croix, puis à la messe, le Christ sacrifie sa vie pour nous sauver du péché. Le manque d'amour, l'opposition à l'amour est vaincue par un trop-plein d'amour. Librement, le Christ offre le plus précieux de lui-même, sa vie humaine, pour montrer l'amour de Dieu et pour offrir aux pécheurs une raison de se convertir. Et plus qu'une raison, un choc, le choc de l'amour sur la croix. Ce sacrifice est saint en raison de la personne qui se sacrifie, le Verbe incarné, le Christ, le Messie souffrant, et en raison de l'amour ainsi manifesté et communiqué. L'Eucharistie est une communion. Ce saint sacrifice de la croix puis de l'Eucharistie est aussi une communion. Il est surtout une communion. Parfois, dans des liturgies récentes, on a mis en avant l'aspect fraternel de la messe, au détriment du sacrifice qu'elle exprime. L'idée n'était pas mauvaise, mais comportait deux défauts. D'abord, de ne plus parler du sacrifice et donc de la croix de Jésus. Ensuite, de concevoir la fraternité d'une manière surtout humaine, une sorte de bienveillance et de gentillesse, certes agréable, mais peu profonde, perdant le sens du salut, la gravité du péché et donc le grand amour de Dieu pour l'humanité. La communion dans l'Eucharistie est beaucoup plus profonde. Tout commence par la réception du corps du Christ qui s'est rendu présent dans le pain, l'a transformé, l'a transsubstancié. C'est donc d'abord le don de Dieu et l'amitié définie par Dieu, la charité. La communion sera profonde si elle est d'abord une communion avec Dieu, d'où découlera une communion entre les participants. C'est au fond la mise en œuvre de l'amour de Dieu et de l'amour du prochain qui ne font qu'un seul commandement et dont le sommet est l'Eucharistie. Cet amour de communion suppose le sacrifice car il est préparé par l'offrande, la participation des croyants à l'offrande du Christ. On offre le pain et le vin, plus profondément, on unit notre vie au sacrifice du Christ. Son amour devient notre amour. Notre amour devient son amour en une extraordinaire réciprocité. De là naît la charité fraternelle, l'amour du prochain et même l'amour du plus lointain. Celui qui n'est pas venu à la messe parce qu'il ne sait pas ou parce qu'il ne veut pas parfois. L'Eucharistie est donc une communion, est donc d'abord une communion. Dans les trois jours saints que nous célébrons à partir d'aujourd'hui, peut-être avez-vous remarqué que l'ordre est bousculé. Normalement, l'Eucharistie devrait venir après la résurrection. On fêterait la mort du Christ vendredi, sa résurrection et puis ensuite l'Eucharistie. Car si nous actualisons le sacrifice du Christ,
Curieusement, nous communions au Christ vivant, au Christ ressuscité. La liturgie actualise donc un mystère, le mystère pascal, que nous célébrerons demain et après-demain. La liturgie anticipe parce que le Seigneur a lui-même anticipé lors de la scène. Cela manifeste l'importance de la communion. Elle est avant, pendant et après. Elle englobe tout, car la charité imprègne tout. Au ciel, il ne sera question que de communion, de charité. Tout le reste disparaîtra. Eh bien, le Jeudi Saint, ce que nous allons célébrer ce soir, anticipe notre vie au ciel, la joie du Christ ressuscité et de notre communion parfaite et définitive avec Dieu et nos frères. Sur terre, cette communion est en accomplissement par toute notre vie spirituelle au contact du Christ mort et ressuscité. Sur terre, cette communion de charité est faite de sacrifices et de communion, dont la vérité profonde est l'amour avec lequel nous vivons chaque réalité de notre vie. Ce soir aussi, l'Eucharistie sera marquée une seule fois dans l'année par un acte tout à fait extraordinaire et curieux, le lavement des pieds. Cette charité est exprimée pendant la scène par le lavement de pieds. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre et tout être vivant et chacune de nos âmes, le Dieu qui a sauvé et divinisé les hommes et les anges, ce Dieu se met à genoux devant ses disciples et au fond devant chacun d'entre nous. Si l'on veut comprendre l'unité du sacrifice et de la communion, il faut contempler cette divine génuflexion et entendre Jésus. Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. Autrement dit, si tu n'entres pas dans la purification qu'opère mon sacrifice, déjà maintenant et surtout à la croix, tu ne partageras pas ma vie éternelle. Ce geste de Jésus devient une norme pour tout chrétien. Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous ? Dit le Seigneur. Insistance qui montre que ce geste est difficile à comprendre et surtout difficile à mettre en pratique. Vous m'appelez Maître et Seigneur et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez vous aussi comme j'ai fait pour vous. Voilà la vraie mesure de la charité chrétienne. La seule hiérarchie qui compte est celle de la charité et de sa capacité à se mettre à genoux pour servir, laver, vivre, afin de participer le mieux possible au repas prévu par Dieu. Quand le chrétien va à la messe, non seulement il répond à une invitation du Seigneur, mais il imite le Seigneur à condition d'imiter l'humilité et la charité du laveur des pieds. Alors, l'Eucharistie introduit dans la vie nouvelle. Le chrétien est un croyant renouvelé par l'Eucharistie. C'est la charité, vous l'avez bien compris, qui compose le sacrifice et la communion. Nous puisons dans la messe la puissance d'amour du Christ mort sur la croix,
dans une vraie faiblesse et dans une vraie richesse spirituelle. Nous offrons et transformons notre vie par cette charité. Si la communion en est le sommet, la participation au sacrifice en est le moyen excellent, incomparable et nécessaire pour la transformation réelle de notre vie. Parfois, la participation à la messe n'est pas possible et l'on reçoit seulement, comme on dit, la communion. On reçoit l'essentiel, nous l'avons dit, et l'impossibilité d'avoir toute la messe, dans certaines conditions, donc de s'unir au sacrifice, est souvent une sorte de sacrifice, par exemple quand c'est à cause d'une maladie. Porter la communion à un malade ou à une personne isolée, âgée, c'est d'abord un très beau geste. C'est aussi une communion qui ne manque pas de sacrifice et donc de la présence du sacrifice du Christ dans la personne ainsi éprouvée. Il reste que la célébration habituelle de l'Eucharistie comprend ces deux moments très unis, le sacrifice actualisé par le prêtre et la communion reçue dignement. C'est pourquoi il faudra toujours des prêtres pour actualiser le mystère pascal, pour rendre présent le Christ, son sacrifice et sa charité. Un jeune homme peut avoir beaucoup de projets pour sa vie, et c'est tant mieux. Mais rendre le Christ ainsi présent est une mission incomparable. Le Jeudi Saint, nous prions aussi pour que le Seigneur, non pas appelle de nombreuses vocations, car cela est indubitable, mais pour que ceux qui sont appelés perçoivent cet appel, le mûrissent jusqu'à la réponse et l'engagement, aidés à la fois par Dieu et par l'Église, exprimant avec force son besoin de prêtre, car son besoin du Christ. On n'a pas besoin de beaucoup de prêtres pour qu'il y en ait beaucoup à notre service, à tout moment de notre vie. Il nous faut beaucoup de prêtres parce qu'on a besoin du Christ. Sans cela, ni messe, ni sacrifice, ni peut-être communion. Mais Dieu qui a voulu le Christ veut la messe, il veut le prêtre pour la célébrer, il veut le sacrifice et la communion. Enfin, je finirai par là, l'Eucharistie est une présence permanente, une présence d'amitié. Pourquoi l'Eucharistie ? Vous l'avez compris, pour ce sacrifice du Christ rendu présent, pour cette divine communion quand nous allons communier. Et dans l'Eucharistie, le Christ est avec nous. Dieu avec nous toujours, toujours présent dans le tabernacle jusqu'à la fin des temps, selon sa promesse. Je serai présent avec vous jusqu'à la fin des temps. Cette présence, c'est celle du Christ dans le tabernacle. C'est ce qu'on peut appeler la grande amitié de Dieu, quoi qu'il en coûte. Car, comme l'enseignait déjà Aristote, repris par saint Thomas d'Aquin, qu'il applique à l'Eucharistie, l'ami désire la présence de l'ami. Et c'est la raison pour laquelle le Christ est présent dans l'Eucharistie, car comme il nous l'a dit, il ne nous appelle plus serviteurs, mais amis, et même s'il est monté au ciel, il reste présent dans l'Eucharistie, dans cette Eucharistie dont nous allons faire mémoire ce Jeudi Saint.